Salut à toutes et à tous, c'est Timour, ravi de vous retrouver sur Project Zomboid, la dernière fois s'est préparée pour partir vers le mall direct. Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Ouais, ça a l'air d'aller. J'avais pas beaucoup d'armes, hein, c'était ça le problème. Et bon, on peut pas le résoudre pour le moment, il faudrait rapidement atteindre le magasin de bricolage pour avoir une chance justement d'avoir de belles armes bien utiles. Il y a peut-être aussi certains couloirs, je regardais la map avant, là, c'est intéressant de voir. Que dans certains couloirs, il y a beaucoup, beaucoup de caisses. Donc potentiellement des petites haches, des outils quoi, qui peuvent nous servir. Mais après, les couloirs dans le mall, c'est quand même dangereux, c'est coupe-gorge. Hein. C'est un peu comme pour la prison. Autant les grands espaces, ça va, entre les magasins. Par contre, ces petits couloirs sombres, où il y a toujours une porte qui cède au dernier moment... C'est très très angoissant. Donc je sais pas trop si gérer en fait. Tout ça pour dire ça. Bon, on approche. On va voir ce que ça donne à lui. Il a un pied de biche planté dans le dos. Ce qu'il faudrait, c'est ça. C'est des aides qui nous apportent des armes. Genre des petites haches, des trucs comme ça. Mais il y en a beaucoup moins qu'au début, je trouve. Je pense qu'ils ont réduit le nombre parce qu'il y en avait trop. Je me rappelle que les petites haches sur ma première saison sur ce build, il y en avait vraiment beaucoup. Et là, j'en vois très rarement. Faut dire que c'est une très bonne arme. Là, je suis pas trop satisfait de ce que je vois parce qu'il y a retour de Z. Bien sûr, ma manœuvre n'a pas été intelligente puisqu'ils ont tous convergé vers moi. Donc, on est en difficulté directe. Il va falloir être efficace, on va utiliser les voitures derrière, on va essayer de faire celle-là vite, c'est bien. Ça c'était très bien. Je passe comme ça, on va essayer de les séparer un peu, ils vont se gêner sur les bagnoles. Voilà, ça perd un peu de temps, c'est parfait. Et toi tu meurs direct et c'est aussi très bien. Il s'écroule, mais il meurt pas, il va se relever je suppose. Ouf, j'ai bien fait de me retourner. Bon, là, j'aime pas. Là, c'est paquet. Ça devient mauvais. J'ai eu du lag. Ça, c'était bon. Oh, la belle voiture. Alors, celle-là, j'aime bien. Hein. Non, on va pas aller vers ce groupe. On a déjà celui-là qui nous colle au basque. Ça suffit. Je vois qu'à la fin, est-ce que ça a décongelé? Non. Sinon, j'aurais mangé tranquillement en les emmenant ailleurs. Est-ce que ça se sépare un petit peu? Pas trop, hein. Allez, on fait attention. Ça, c'est pas bon parce que ça tue pas direct. Et c'était limite. Ça, c'est bon, par contre. Cours. Ah, mais ce temps d'arrêt, j'aime pas... Qui, en fuyant, marque un petit temps d'arrêt en se retournant? Expliquez-moi ça, parce que je connais personne qui fait ça. À part franchement des inconscients ou des imbéciles. Ça n'existe pas, quoi. Quand on fuit, on fuit, on s'arrête pas, comme ça. Qu'est-ce que t'as sur le bras, toi? Un pansement? Oh là là! C'est très... Très limite, j'aime pas ce groupe là, il m'ennuie. Voilà, vous avez ce que vous méritez. La batte est efficace, hein. Bien, là je reprends mon souffle, c'est cool. Ça commence à aller, c'était un départ en fanfare, hein. Vraiment beaucoup de monde, pas mal paquet en plus. C'était tendu. Il reste elle, bon je vais la faire quand même. Je vais me reposer après comme ça tranquille. Avant d'entrer parce que je pense qu'elle a usé ses forces en tapant à la batte. Et elle prend un petit point. Et je pense que c'est niveau batte. Hein. Ouais voilà, on est meilleur en batte que dans tout le reste. Tant mieux. Tant mieux, je voulais faire un perso polyvalent de toute manière, donc ça m'arrange.
On va penser à faire ça. Alors, il y a carrément que Short Blade. Hein. Short Blade, on voit que c'est pas encore ça. Même pas utilisé. Dire que c'était avant l'arme de prédilection quand même sur PZ, le couteau. Ça a bien changé. Hein. Ça va, il y a personne. Je réaccélère un tout petit peu. Voilà, 8h, on est bien. On va manger avant d'entrer pour être au top. Et c'est parti pour le gros combat. Alors dommage, cette bête-là, elle a vraiment bien baissé de niveau. Allez, t'es prête. Me déçois pas. Ah ouais, c'est pas là. C'est là. Déjà, l'entrée commence mal. Elle a eu du mal. Est-ce un signe ? Ça passe. Il y a deux personnes là-bas. Pas grand monde pour l'instant ici. Bon, c'est bien le petit nettoyage qu'on avait fait ici. Porte ses fruits quand même. Oh. J'ai pas aimé ça. Petit coup dans le vent là. Voilà. On rétablit les choses. Eux, ils sont à l'intérieur aussi. Donc je vais les faire également parce que de toute manière, peut-être qu'ils vont bouger à un moment ou à un autre. Par contre, on va faire très attention. Ça passe, c'est parfait. Ah, ça tape dans le vent des fois là. Ouf, il m'a fait peur lui. Ah, quelque chose a été brisé quelque part. Bah c'est là. Donc affluence, voilà les couloirs, hein, illustration, là une porte se casse, ça sort direct en courant. Et couloirs du mol, c'est ça. Hein. Des endroits dangereux où on meurt souvent. Donc on évite au maximum d'y aller les mains dans les poches. Là ça va, elle carbure. Ah ouais, ça dégorge à fond. Mon petit massacre là dès le départ, ça fait plaisir. Par contre, je pense qu'il va falloir encore se reposer bientôt. Allez, nettoie-moi tout ça. Alors, pour l'instant, j'aperçois que des armes sans intérêt. Ouais, c'est moi qui est là. Faut se réveiller. Allez, vous sortez. Ramenez-vous. Attention, recule là. Ouais, je le sentais mal. Hein. J'ai vu qu'elle arrivait comme une furie. Mais là, ça va, ça passe, c'est mieux. Donc on a après le couloir là. Ça va mieux. Ouais, on voit pas personne. Ouf. Aïe, la batte a cassé. De toute façon, j'avais dit que je devais me reposer, j'aurais dû m'écouter. On passe à une nouvelle arme, ça fait déjà une arme en moins. Bon, elle a tenu longtemps quand même, je trouve. Et puis, elle a bien fait le taf. Hein. En plus, ça continue. Allez, recule, dégage. Je prends possession des lieux, voilà. Je vais me mettre là un petit peu pour me reposer. C'est important de marquer des petites pauses parce que ça va pas le faire sinon. Donc on va dire 10 minutes de pause, on va aller jusqu'à 40. Voilà, t'as un peu soufflé. Comme ça tu peux repartir de plus belle. Tu peux même te fumer une petite cigarette avant. Voilà, et puis on est bon. On a encore du monde là qui se pack. J'ai le petit tour sur moi-même, histoire d'être sûr. Ça y est, elle a rechaud. Ça va vite. Hein. On pourra pas avoir de problème d'eau aussi, donc on va re-remplir les bouteilles dès qu'on peut. Très bien. Bon, là, c'est que le début. Hein. On progresse pas, c'est normal. Ça va venir à un moment.
Il va y avoir des vagues comme ça, et puis à un moment on va pouvoir progresser. Ça c'était mauvais, mais c'était quoi ça? Je me demande si certains Z ont pas des petits bugs. Il me semble que j'avais presque eu ça, exactement le même truc la fois dernière devant le magasin. Espèce de Z qui attrape un peu dans le vide comme ça, on le tape mais on n'arrive pas à le toucher. Je sais pas, ça me semble familier ce truc là. Ok, allez. Voilà. Oh les battes, c'est bien hein. Franchement, je regrette pas d'être venu avec. Donc là, on a eu un afflux. On voit qu'il y a encore énormément de Z à cet endroit qui nous barre la route. On va essayer de tous les mettre ici à peu près parce que comme ça, on n'aura pas de mouches partout dans le magasin, seulement à certains endroits. Ça permettra de pas être malade. Et là, j'ai pas encore sorti le katana quand même. C'est un bon signal, ça. Je fais le tour du pilier pour être sûr. Voilà, parfait. Ah, j'aime. J'aime ça. Quand ça se passe comme ça, c'est bon. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est un couteau, hein. Allez, on extermine ici. C'est fini d'être gentil. Le plan, c'est ça. On tue tout le monde et puis on prend ce qu'on a à prendre. Pas traîner non plus, il est déjà 10h40. Ah, il y en a qui sautent depuis l'étage. On m'avait conseillé de passer par l'étage, mais je vais pas le faire. Pour une raison simple, c'est que je vais activer les aides de l'étage. Tous. Là, ça active un peu ceux qui sont dans le couloir, par exemple. Mais c'est tout. Après, si c'est tous les aides des magasins de l'étage, ça devient compliqué. Plus les couloirs aussi de l'étage. Parce qu'il y en a aussi. Va falloir se reposer encore, je crois. On va faire une petite pause, peut-être là. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. On sera tranquille. C'est pas ultra prudent, mais au moins on est un peu protégé par les meubles. Je vais faire un quart d'heure de pause à peu près. Voilà. Et on est reparti. Donc on va continuer dans ce sens. Alors on a un nouvel afflux de Z. Ça a déclenché quelque chose. Là, on dirait qu'ils courent tous vers moi d'un coup. Parfait, là, ça passe. Tranquillou. Ah, j'adore ce personnage. Elle est ultra efficace, c'est dingue. C'est bien, continue comme ça. Fais tout le temps ça, on va vite progresser. Ouh, qu'est-ce que c'est que t'as dans le corps, toi? Un tuyau, je crois. Joli saut, bravo. Il vient nous rendre une petite visite comme ça. Attention, j'entends autre chose. Ouais, j'entendais. Trop paquet. Voilà, il courait vite ceux-là. Hop, nouvelle batte cassée. Ça devient un petit peu plus problématique. J'ai plus de batte. Bon bah let's go, katana, hein, pas le choix. Ah, il y a un attroupement, ils nous ont entendu depuis l'extérieur, j'ai l'impression. Allez, go katana. On a regagné un truc. Long blade sûrement, 2 points avec le katana. Ah tiens. Elle est ennuyée. Alors ça, c'est énorme, hein, quand même. Dans un supermarché rempli de Z, voilà, qu'elle s'ennuie. C'est des trucs, ça. Y a pas de cohérence, hein.
C'est vrai que tout le monde s'ennuierait à sa place. Voilà, ça dépote. Ah là, ça a raté. Wow, c'était encore bizarre ce truc-là. Le fameux coup du revers pour certaines armes est complètement pas cohérent non plus. Ça existe pas, un coup comme ça, quoi. Ça, ce coup-là, une espèce de swing, là. Ça se fait pas avec un katana, je pense. Ça, oui, là. Pour fendre une tête. Oui, on comprend. Allez, tiens le coup. Tiens le coup. Là, je vois que ton étoile est un petit peu entamée. Mais ça passe. Toi, qu'est-ce que t'as dans le corps? Encore un couteau sans intérêt, je pense. Une fourchette ou un genre de truc comme ça. Ouh, pied de biche. Est-ce que j'aurais raison de combattre au pied de biche? Je sais pas. Je crois pas. Je vais pas le prendre. C'est pas intéressant. On observe un peu ici, il y a du monde encore. Ah ouais, on est bien au mall, il n'y a pas de doute. On croira toujours avoir fait le plus dur et en fait... et en fait non. Donc il faut s'y remettre. Il faut charbonner. Et on fait attention aussi de ne pas se faire avoir quand même. Voilà, par ce geste notamment. C'est bien, tu fais le taf là, bravo. Continue comme ça. Je trouve qu'il fait un petit peu sombre d'un coup. Il y en a qui viennent des escalators. Hop 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 hop. Voilà, tu recules aussi. Pour l'instant, mon katana, il est pas trop entamé. Hein. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça. On a fait un beau carnage. Bon, bah finalement, mon plan de les mettre tous tués au même endroit, j'ai un peu oublié en route. Donc il y aura des mouches partout. Tant pis. Tiens, tu viens d'où, toi? T'étais pas là il y a 2 secondes. Elle a dû sauter, elle. Allez, c'est bien comme ça. J'aime. Je veux voir ça. On est venu pour tuer du Z. On est servi. Je pense que je commence à nettoyer pas mal cette aile. Voilà, alors on va avoir un nouvel afflux parce qu'on a attiré du monde en tapant. Ça fatigue pas tellement le katana, j'ai l'impression. Pour l'instant, ça passe bien. Ah, une qui a sauté. Je m'en doutais un peu. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ça fait longtemps. Allez, suivez-moi. On va s'occuper de vous. Ouais, vraiment, cette arme est providentielle. Hein. Faut vraiment maintenant faire très attention à ceux qui sautent. C'est ultra pervers. Hein. Sauve-toi. Ah, j'aime pas son petit pas encore. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Quand tu te sauves pour de bon. Tu nous fais pas un espèce de truc bizarre. Voilà, on veut voir ça, c'est bien. Je veux rien voir d'autre que des séries de ce type-là. Et un tas de cadavres qui s'empilent les uns sur les autres, là, c'est bien. C'est vraiment un jeu pour les psychopathes. Ok. On va faire sortir un peu de ce lieu aussi, puisqu'on voulait récupérer des bouquins. Je vais y courir. Faire mon petit tour. Oh, elle m'a fait un truc bizarre en se retournant. Je ne commenterai pas. Ok, hop. Toi, t'as entendu alors que c'est pas toi que je voulais attirer. Mais c'est pas grave. Katana, ouais, tu fais la gueule. Oula. Ça y est, ça va commencer à être pas bon.
J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ok, ça passe. J'aurais peut-être dû le préserver pour aller vers le magasin de bricots direct, puisque là, il commence à être mauvais. Ok. Non, mais me fais pas ça, s'il te plaît. Tu m'as fait peur. Sauve-toi. Ce qui tombe, hein, c'est les pièges. C'est super bien fait. Une porte se casse, un homme arrive en courant, là, comme un fou. Ah, ça vient de par là, la porte cassée, c'est ça? C'est pas de par là? Moi, j'aurais vu ça par là. Bah non. Ok. Le bain de sang absolu. On est pas mal. Ok. On va avancer. Parce que faut pas rester là. On va manger aussi. Donc j'ai un truc encore à faire. Un pas à faire important. Et ça devrait... Ah non, je vais faire quelque chose avant. Attendez. Je vais me prendre un livre rouge parce que l'ennui, c'est pas possible là. Donc un petit livre rouge pour se débarrasser de l'ennui. Voilà, tu lis ça. Dépêche-toi. Ok, on est reparti. Elle s'ennuie plus, elle a lu un bouquin. C'est vrai que c'est l'endroit où on se dirait, tiens, je m'ennuie un peu, j'ai tué beaucoup de Z et tout, je vais aller me lire un petit bouquin, ça ira mieux. Complètement logique. Allez, venez. Pas de quartier. On se retourne vite, parce qu'eux non plus, ils en feront pas. Voilà, on les attend ici, c'est mieux. Comme ça, ils ne tombent pas sur la tête. Fais pas ton geste comme ça, on n'aime pas ce geste. Voilà, celui-là est mieux, j'aime bien. Je vais bientôt dire adieu au katana, je le sens. Et il y a encore masse monde. Ok. Allez, vite. On se débarrasse de tout ça, là. Qu'on se dépêche. C'est bien ça. Ouais. C'était un peu chelou, mais on accepte. Yes. Je sais pas si ça se répare le katana. Si ça se répare pas, ça sera une grosse perte. Hein. Vous en conviendrez. Là, je sais pas combien j'ai tué de Z depuis le début. J'avais pas regardé d'ailleurs. Ça va faire beaucoup à la fin. Là, on a un gros nombre. Hein. Il y a du people. On va s'occuper de toi, là, qui arrive en traître. Là, ça prend une tournure négative. Là, c'est mieux. J'apprécie plus. Te casse pas, surtout. Pas maintenant. C'est pas le moment. Waouh, waouh, waouh. Encore un moment bien, bien chaud. Allez, on continue. On va remonter par là. C'est par là qu'on va aller. Encore plein, plein de monde. Et un katana avec une branche d'étoile seulement. Donc les chances qu'il tienne longtemps sont vraiment très très minces. On a des gens bien sûr qui vont continuer à arriver dans le dos parce que sinon c'est pas marrant. On va regarder ce qu'elle avait dans le corps. C'était un couteau étonnant. Plus long que les autres. Qu'est-ce que c'était, dis-moi? Tiens, l'allumette, je la prends. Ça a l'air d'être un truc de merde. C'est juste un couteau normal, un couteau à beurre ou pour couper le pain.
Ok, on a fait une avancée. Ah, ils ont bouffé un mec là-bas. Dégueulasse. Pourquoi vous faites ça? Reprenez-vous. Vous étiez des humains avant. Ok, là, c'est déménagé un petit peu. Là-bas, ça bouge beaucoup. Je progresse vers l'endroit où je veux aller. Lentement, mais je progresse quand même. Là, on a un nouveau... nouvelle livraison, là. Là, ça recourt trop vite. Ouais, d'un coup, ils vont vite quand même, des fois. Ok. Allez, concentration. C'est bien. Pas le choix, de toute façon, faut tous se les faire. Après, ça sera à nous, le lieu sera bien, bien propre. On aura quand même perdu un katana dans l'histoire, hein. C'est clair, je pense pas qu'il va tenir encore des heures. Ça fatigue pas beaucoup comme arme, hein. C'est vraiment l'arme idéale, hein. Y a pas... Ok, génial. Allez, poussez-vous. J'aime pas ce pilier, il est mal placé. Je vais me mettre là. Une autre zone difficile là, avec beaucoup de monde. Il y a un magasin en dessous aussi, on a vu qu'il y avait des gens dedans. Ça c'est bien. Ok. Allez, 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 vas-y. Fais le taf. Attention, pourquoi tu fais ça? Écoute. Ça c'était mal, là c'était mauvais. Ok, j'ai encore faim normal avec mon estomac gouffre là. Ça par contre c'est peut-être pas le bon plan pour venir ici. Hein. Ok, hop, j'ai beaucoup d'eau qui a été bu aussi. Je remarque ça. Faudrait que j'aille chercher de l'eau. Je vais être en difficulté si j'ai soif. Bon là on a réattiré du monde. Ça n'en finit pas. Hein. Les vagues de Z là. Mais comme ça, ça marche bien. 17h, il est tard. Ok, parfait. Derrière, ça arrive aussi. Bon, faut vraiment le faire comme vous voyez ce bâtiment avec un katana. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est super efficace. Oh là, attention, c'était pas beau ça. Bon, alors, boire. Boire là, donc remplir les bouteilles, ouais. C'est ça qui est important. Je pense qu'ils sont attirés par vagues de toute façon vers moi. Puisque je vide des cases. Donc ça revient sans cesse. Je pense aussi que je vais sûrement bientôt rentrer, que ça aurait été voilà, le premier épisode du nettoyage. On n'a pas atteint la cible. Pas du tout même, hein. On est même en train de reculer. Ah, puis je commence à avoir le petit truc barbouillé parce que... Voilà quoi, ça... C'est pas bon d'être ici trop longtemps avec tous les cadavres. Allez, 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 recule un peu, on va aller prendre l'air. Ok, parfait. Là, ça vient de par là. Ouais, ça vient encore de partout, hein, mine de rien. Puis on a faim. C'est pas bon aussi, ça. Ah, raté. Dommage. Il faut les faire d'un coup. C'est important. Ok, allez. Voilà. Je voulais boire. Il y a un petit resto, là. Petit truc qui vend du pain et tout. Peut-être qu'il y a de la bouffe aussi. On va faire d'une pierre deux coups. Ouais, j'ai pas passé trop près du couloir. Je vais aller chercher l'eau qui est là. Ici, il y aura moins de mouches. Donc on va se calmer un petit peu à ce niveau-là aussi.
Puis on va voir si on trouve à bouffer. Allez, remplis-moi ça. Et tu remplis celle-là aussi. Fromage frais, ouais. Allez, on mange ça. Voilà, on a plus faim. Gaufre pourrie, cupcake, c'est ça que je cherchais. Ça, ça pourrit aussi, les parts de tarte. Là, ça tape, je m'en vais. Pas le moment de rester ici. Si ça pète, là, je suis mal. Bon, j'ai encore un peu de temps devant moi. Peut-être lire un livre rouge, parce que je vois qu'il y a la tristesse qui revient une nouvelle fois. Enfin, l'ennui, hein, ça c'est l'ennui. Commence à s'ennuyer, ouais. On va essayer de te trouver une distraction. Et puis, on va essayer aussi d'avancer vers le lieu qu'on vise. Pour peut-être récupérer, au moins avant de partir, une arme pour le lendemain. Ça serait bien. Là-dedans, on veut donc un livre rouge. J'entends encore du bruit. J'en prends un et je m'éloigne. Je préfère pas... Ouais. Je préfère pas trop rester là. Hop, je vais dire ça. Tourne-toi un petit peu pour regarder autour de toi. Ouais, t'as fait un sacré carnage. Oh, la fatigue. Pas bon. On va prendre les pilules. Et là, je vais en prendre un max, hein. Je vais pas lésiner, je vais tout prendre. Et puis dès que j'ai la fatigue et plus de pilules, eh ben j'ai plus de pilules. Ah bah voilà. Bah dès maintenant alors, ça va être bientôt. On va partir bientôt donc. Obligé. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ce truc de merde qu'il y a tout le temps, qu'on veut pas, qu'on ramasse pas parce que c'est nul. Ça c'est bien. Allez, on avance vite. On va voir ce que ça donne là. Faudrait un peu vider. On est pris à revers. On va contourner comme ça pour le faire. Voilà, comme ça on voit ce qui arrive. Alors c'est ceux qu'on veut pas qui viennent. C'est-à-dire que nous on veut aller par là, donc on préférerait que ce soit ceux de par là qui viennent. Bah, c'est ceux de l'autre sens qui décident de se joindre à la fête un petit peu, là. Ok. C'est quoi ça? Ah, encore ça, ok. Je suis pas vénard hein, sur ce qu'il y a sur les Z. C'est vraiment que des trucs que je peux pas vraiment utiliser, qui sont pourris. Waouh, déclencheur encore. On passe ici, on attire 2-3 personnes. Hop là! Ah bah je t'ai raté, dis donc. T'es chanceux. Allez, reculez. Bon là, je pense que même si on n'atteint pas aujourd'hui, on aura fait un bon petit nettoyage qui va permettre... par la suite d'y aller. Ok. C'est bien. Là, il y a un gros groupe qui s'est formé. Il me barre le passage. Il m'empêche d'aller vers l'endroit où je veux absolument aller. J'ai raté mon coup. Je recule. Ah, c'est pour ça. Est-ce que là, c'était pas une pharmacie par hasard? Non, c'est que magasin de guitare et tout. Donc la pharmacie, c'est plutôt en haut. Ça, c'est dommage que j'ai ça. Il y a encore un peu de temps, il est que 19h50. Ah, ça peut-être... Non, je pense pas. Je vais essayer de grimper, cette fois. De toute façon, là, j'ai vrament bien nettoyé. Je crois que la pharmacie, elle est au-dessus de celui-là. Il me semble. Ah ouais, je sais pas trop en fait. Ça me semble pas prudent en même temps. Peut-être par cet escalier là. On va jeter un oeil. S'il y a quelqu'un sur le palier, ça va être craignos. Ouais, j'ai encore rameuté tout un groupe là.
Ok, d'accord, ça se fait comme ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, dommage. Dommage, dommage. Voilà, je vais vers ça, moi. Donc, je ne traîne pas. Non. M'en fous de ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Et je m'en vais. On va prendre les vitamines en descendant, tranquille. Allez, tu te prends toute la boîte tranquillement, tu redescends ensuite. On essaie d'avancer un tout petit peu encore, tant qu'on peut. Et puis après, on s'en va. C'est pas bon ce que j'ai fait. Je m'en vais. Ouais, je sentais que ça allait faire ça. Finalement, je suis allé à l'étage. Je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Ok, personne n'arrive derrière. Allez, montez. Je voudrais redescendre, moi. Est-ce que ça suffira? Ouf! J'étais un petit peu tendu, là. Donc, prendre pilule, on va en reprendre plein. On va essayer de retourner encore dans la direction qui nous intéresse. Katana est toujours en main, pas cassé. Donc, c'est parfait. Ils sont revenus un petit peu là. Ça va, j'ai perdu le truc barbouillé parce que je suis monté prendre l'air là-haut. C'est pas une mauvaise chose, ça. Ah, bah, ça revient, mais c'est normal. C'est une jauge, hein. Voilà, derrière la tête, il fait pas de bruit. Ça suit, attention. Est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Je pense pas aujourd'hui quand même, attention. Ça m'étonnerait parce que en fait, il reste beaucoup de monde, je pense, dans ce magasin que je vise, donc rien que le vider, ça va encore prendre beaucoup de temps. Et souvent, il y a encore plus de monde dans les couloirs autour de ce magasin-là. Et dans le petit magasin qu'il y a à côté d'électricité. Enfin, en tout cas, c'était comme ça avant. On va voir. Ça rapique encore un peu. On n'est pas loin. On n'est pas loin du but, là. C'est pour ça que je suis tenté d'avancer. Ouais, tu m'étonnes. Je prends un point. Tu m'étonnes. Vu le carnage, c'est logique. Hein. Ouais, voilà, là on est proche du but. On touche au but et pourtant on n'y est pas encore. C'est presque maintenant que ça devient le plus dangereux. Parce qu'on est content, alors on va faire une bêtise, on va faire un truc qu'il faut pas. On va vouloir se précipiter et puis on va tout perdre. Allez, hop. Dégagé. Ouais, vraiment, ça serait bien de pouvoir le réparer, le katana, parce que si jamais j'en trouve pas d'autre, ce sera une grosse perte, notamment si je veux faire la prison. Ouais, ouf. Cette zone. Ouais, c'est pas terminé. Hein. Loin de là. Bon, alors, il n'y a personne dans le magasin, ça, c'est une certitude. Par contre, tout autour, c'est une autre affaire, hein. Ça vient de tous les sens là. Je pense qu'on va se refaire un petit coup de shoot vitaminé. Ouf! J'ai pas deviné, j'avais pas vu. Elle fatigue là un petit peu quand même, non? Je sais pas, on dirait qu'elle se tourne moins vite. Ce qui pourrait être compréhensible malgré tout vu. L'enfer qu'elle traverse, ça vient de partout.
D'accord, on a dit vitamine. Deux fois. Deux fois, allez. Fais-nous ça deux fois. Ok. Là, ça devient pas mal. T'as bien bossé. Il faut le dire. T'as vraiment bien bossé. Il te faut une arme. Il te faut un truc avant de rentrer. Ça serait bien. Ah non, une porte qui pète. Ça, c'est mauvais signe. Casse-toi de là, recule. On va avoir un afflux. Attention. Ouais. Ok. Bon, ça passe. Hein. D'où ça vient, cette porte pétée, là? On sait pas. On sait pas du tout. Là, il y a moins de monde, quand même. Il y en a toujours qui me repèrent, malgré tout. C'est bien dommage. Tac. Ils marchent tous sur le vert, alors ça attire les autres de toute façon. On regarde bien partout. On se méfie. Ça passe encore. Ouais. C'est chaud. Hein. Attention, je fais n'importe quoi. J'ai couru, c'était con. J'ai un peu en stress, là on voit plus grand chose, ça va être dangereux. Sauve-toi. Attention. Là-bas, il remonte par là. Je sais pas, il y a dû y avoir un event. Ok. Première entrée. Ça a pété cette porte, on dirait. On va embarquer une hache. On a une arme. Pour la suite, c'est une très bonne nouvelle. Le truc, c'est que peut-être on aimerait la garder. J'ai pas le temps de regarder dans les trucs parce que je sens que ça va m'arriver dessus. Et j'ai surtout pas envie que ça se passe comme ça. Ok, allez. À côté. On remonte. Tac, c'est où? C'est là, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ça va déferler. Ouais, non, c'est dangereux. Bon, j'ai récupéré une hache déjà, hein. C'est pas mal. Ok, on va venir par ici. Ouais, on va plus rien y voir bientôt. Je crois qu'on va bientôt rentrer. Hein. Si je peux revider juste là. Ok, et me faire... Ah, une autre porte qui pète, ça n'arrête pas. Et on voit de moins en moins bien. Ouais, ça vient de là-bas, hein. Y a pas de doute. Ouais, je pense que je vais partir, tant pis. Ouais, allez, tant pis. C'était une première réussie. Tant que ça reste comme ça. Ça y est, d'autres portes encore. On a encore le katana qui est potentiellement utilisable. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Et puis, on a une hache. Ça, c'est très bien. Ça peut être très, très utile. Alors, je pense qu'on a dû dépasser amplement les 1000. Bah ouais, c'est logique. Il y avait tellement de monde dans ce magasin là. Bon, il y a toujours autant de monde en fait, ça n'a pas changé. Hein. Moi je pensais que ça avait un petit peu changé, qu'il y en avait moins et que c'était plus sur l'extérieur et en fait pas du tout. Pas du tout du tout. Allez, on rentre, on va se mettre au dodo. Puis je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Je pense que ça aurait été assez long hein, quand même. C'était du combat intense. Thank you.
Voilà, on est arrivé. On voit strictement rien. C'est vraiment terrible là. C'est une nuit noire. Hop, sécurisé. Et là, d'un seul coup, un Z derrière la porte. Donc, on a réussi la première étape. On a bien nettoyé le mall. En tout cas, la partie qui nous intéresse pour accéder aux armes. On a récupéré une hache. Et puis, la prochaine fois, on essaiera de continuer ça. Faire le plein d'armes. Et après, voir pour les bouquins. La bibliothèque, c'est pas mal aussi. Et puis, j'aurais fait l'essentiel, je crois, de cette première mission au mall. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut!